est un nouveau label qui a pour vocation de faire découvrir des nouveaux talents de la scène littéraire française et étrangère, avec une dizaine de publications par an. Des premiers romans quand il s'agit d'auteurs français. C'est pour ça qu'on a commencé avec Un parfum d'herbe coupée de Nicolas Delesalles, son premier roman. Et des premières publications en France lorsqu'il s'agit d'auteurs étrangers. C'est ainsi qu'on a publié un auteur qui est déjà internationalement connu avec son best-seller qui a été adapté au cinéma Happiness Therapy. Avec de multiples Oscars. Donc c'est Matthew Quick dont on publie l'ouvrage « Saisis ta chance, Bartholomew Neal ». Donc on a voulu imaginer des passerelles entre nos préludes et nos fugues, c'est-à-dire nos inédits premières publications et les reprises au sein du catalogue du livre de poche pour permettre au lecteur en fait, de poursuivre sa balade en littérature de préludes en fugues. Et donc pour Un parfum d'herbe coupée, on propose comme titre en écho au sein du catalogue du livre de poche le roman de Hermann Hesse, Siddhartha, qui est un des livres fondateurs pour Nicolas Delesalles, qui a écrit donc, Le parfum d'herbe coupée, ou les romans de Boris Vian, qui ont là aussi été révélateurs dans sa formation. Donc Prélude, un nouveau label avec pour vocation de faire découvrir de nouveaux auteurs. Et au programme pour ce printemps-été, nous aurons un premier roman de Sarah Vaughan, La meilleure d'entre nous, un livre absolument délicieux qui dresse le portrait de différentes femmes qui vont participer à une compétition pâtissière. C'est un peu Desperate Housewives version Top Chef. Ce qui sera l'occasion toujours, puisqu'on veut relier avec des titres en écho au sein du catalogue du livre de poche, de proposer une balade gourmande avec différents titres, de Manche-Priem à l'école des saveurs et Rabelais, pourquoi pas, à nos lecteurs.